Regarde, tu vois les œufs? Ça, c'est une ponte de crapaud commun, tu vois. C'est bientôt le printemps et déjà la 7e édition de Moi aussi j'agis pour l'environnement. Ce jeudi 6 mars, les agents du département étaient invités à rénover un passage petite faune, plus connu sous le nom de Crapauduc. L'occasion pour ces volontaires de se confronter concrètement à la protection de la biodiversité. Le batraco-duc, il a pour objectif de favoriser la migration prénuptiale des amphibiens, en fait, afin de leur éviter de se faire écraser sur la route entre janvier et mars, quand ils vont sortir de leur période d'hivernage pour regagner leur secteur de reproduction. Donc ils vont longer la barrière qu'on a vue tout à l'heure et vont emprunter un passage busé qui va traverser la deux fois deux voies en souterrain. En tout, près de 200 agents du département sont mobilisés pour protéger la petite faune, mais également ramasser les déchets au bord des routes, comme ici, sur la RD 723, entre Saint-Jean-de-Boisseau et Nantes. On a ramassé beaucoup de plastique, du verre, des morceaux de voiture, du polystyrène, des grands morceaux de plastique, des grands sacs. On constate de manière tout à fait directe qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Des efforts, il est possible à chacun d'en réaliser jusqu'au 21 mars à travers les 40 actions « Moi aussi j'agis pour l'environnement ». Pour connaître ces ateliers, rendez-vous sur loire-atlantique.fr/maja.